Les premiers passages sont des silhouettes extrêmement près du corps et sous le genou, magnifique. Oui. Mais c'est un retour à sous le genou. Oui, c'est mais ce n'est pas un retour, mais comme il y a cette botte et tout, c'est tout à fait, cette botte pantalon, c'est à sous-pied, c'est une autre allure. C'est fait dans un but d'allonger, pas dans un but de rallonger. Absolument. La silhouette est comme un tuyau, comme un tube, d'un seul tenant. Oui, oui, exactement, exactement. C'est pour ça. Et ça s'évase toujours un peu. Absolument. Sinon, cette longueur est impossible. On peut pas. Avec premier passage, jaune paille, ensuite des canaries, si vous voulez. Canaries, oui, d'accord. Oui, oui. Canaries. Ah oui, non, mais au fait, vraiment si vous me demandez le vrai nom, je dirais jonquille. Oui, un mauve grisé. Un mauve grisé. Beaucoup de blond, bien sûr. Oui, mais toujours un blanc légèrement cassé. Hein. Oui. Quelques imprimés, assez peu d'imprimés dans cette collection. Oui, Chanel, c'est pas vraiment un imprimé, mais en été, on en a envie. Mais ils sont retraficotés avec des broderies qui reprennent les motifs et tout, qui ne sont pas des choses prétentieuses ou trop ethniques ou des choses comme ça. Hein. Un passage magnifique avec des manches brodées, des losanges, c'est des joli, formes ça, comme ça, géométriques. Ah, mais j'adore joli. Le côté très découpé, très géométrique. Je trouve que c'est bien ici, ça va aussi avec des vrais bijoux et tout. Hein. J'ai vu passer beaucoup d'éclats, beaucoup de brillants, beaucoup de lumière. Des vrais brillants. Des vrais brillants. Oui, oui, oui. Alors, ce mariage de la joaillerie avec la croisière. Mais j'ai trouvé que c'était l'endroit exactement, c'est l'opposé de Saint-Tropez, c'est l'autre côté du paradis. Et ici, les femmes portent dans les bijoux. Mais moi, ce que j'aime, c'est de les porter avec du sportswear. Chanel, c'est très noir et blanc. Hein. Oui, des lignes très pures, et du noir et du blanc, comme ça, en confrontation, c'est super. J'ai trouvé avec ces nouvelles chaussures, ils avaient une attitude de marcher différemment. Alors, d'où vient cette idée de bottes chaussures qui rappellent un peu les chaussures japonaises? C'est comme des pantalons à sous-pieds, pieds nus. Vous avez repris quelques idées de superposition, assez peu, des superpositions très légères, très aériennes. Non, mais ça, vous savez, ça, c'est au fait la suite dans les idées. Cet hiver, dans le prêt-à-porter du mois d'octobre, j'ai fait ces vestes Chanel greffées sur les vêtements d'hommes. Là, j'ai fait des chemises d'hommes sur lesquelles on greffe des blouses féminines. C'est le côté homme-femme, l'ambiguïté et tout. Alors, ça. C'est un thème qui me plaît beaucoup. Vous travaillez, les frontières sont brouillées. Exactement, entre les hommes et les exactement. Femmes. Et les filles savent très bien interpréter ça. Très beau moment, ce passage de Miss McNemany, accompagnée de ses hommes. Très beau moment cinématographique. Oui, c'était joli, non? C'était superbe. C'était très, très beau. Mais ça, c'est un truc qui est dans le film. Hein. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous? D'abord, un mannequin de génie. Ouais. Qui pourquoi? C'est quoi un mannequin de génie? Belle. Qui fait ça depuis plus de 20 ans, qui a 50 ans et qui est extraordinaire. Il y a une tension dramatique, quoi. C'est presque comme quand on regarde une pièce de théâtre. Tout d'un coup, la musique monte, les pièces deviennent de plus en plus fortes. Il y a quelque chose où tout d'un coup, on a vraiment l'impression de voir quelque chose de théâtral, quoi. C'est... Non, non. Et alors là, en plus, c'est comme quand on voit un concert en plein air, comme quand on voit un film en plein air. Il y a toujours une magie d'être au milieu des éléments. Et là, d'avoir ça, et puis d'être sous les arbres, c'est extraordinaire. Ce que je trouve intéressant dans la collection, c'est qu'il y a plein d'époques qui se mélangent et qui créent des robes complètement étonnantes, quoi, parce qu'on a un bout d'années 40, un bout d'années 60, un bout d'années 30, enfin c'est très beau. Il y a des structures dans les tailleurs, il y a des structures extraordinaires. Et puis après, dans les choses plus amples, on a l'impression d'être dans les années 30 et de sortir vers Gatsby. C'est ça la magie de Chanel, c'est que ça ne vieillit pas. C'est comme il y a peu de choses comme ça, il y a Charlie Chaplin, les Beatles, c'est Chanel. Chanel is the best, you know. So being interested in fashion, you're interested in Chanel. It's the crème de la crème, you know. It's the ultimate of class and sophistication and beauty and it's très chic. I'm learning French, so that's why I'm trying to learn all of these phrases. But anyway, it's wonderful to. Not only, you know, I never would have thought I'd even be at a Chanel fashion show, but to be here, you know, like I said, working with them and wearing Chanel couture is very, very, very special. This collection was very much a celebration, you know, it was very happy, it was very alive, and, you know, I love seeing that in fashion. You know, I think often, you know, you can play what's safe and wear the neutral colors and make a serious face because
it's safer, you know. But to have something that's happy and is more celebratory, it evokes more emotion, you know. And starting with the yellow in the show, it was a refreshing splash of color, and the story, you know, that went throughout. I mean, even when it went to the whites, all the red sequins on there, the red beading, it always had just, you know, vibrant splashes of life within it, and I loved it. Every piece just made me smile. My mood is every single piece in that collection. The hardest part was thinking, oh gosh, I want to wear every single one of these. You know, I black and white is incredibly classic and chic. You know, it's very Chanel. You look at the black and white bathing suits with the you know, the cape that drapes off of it, and that's just, I mean, beautiful. But you know, I also love color, so I wouldn't choose between the two. I would just try to find more occasions to wear more outfits.